Donc, nous allons voir maintenant les deux dernières voyelles, qui, elles, sont des voyelles toujours longues. Alors, on va commencer par le eta, qui se prononce comme un e ouvert, comme dans lait ou fait, dont la majuscule est en forme d'un h majuscule. Et nous allons avoir également une lettre qui est déjà connue de vous certainement, le oméga, qui est un o long fermé, comme dans haute. Voilà, nous avons fait le tour maintenant de toutes les voyelles et il nous reste à voir dans la prochaine vidéo les diphtongues.